Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour ce quatrième épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband saison 4. J'ai fait pas mal de choses entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Déjà, j'ai essayé de régler tous les problèmes techniques qui sont survenus durant les premiers épisodes. Je suis désolé, donc là, normalement, j'ai fait le vide. Il y a la place pour capturer un épisode. Normalement, il y a le son, correctement, tout est bon. J'espère que c'est le cas, on verra bien, mais normalement, tout est bon. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué beaucoup tout seul dans mon coin. J'ai fortifié Almar à Donf, donc là il y a 400 Pékins et des patates, en attendant qu'il y ait une guerre qui se déclare avec le royaume des Rodoks. Et là, effectivement, une guerre s'est déclarée. Le problème, c'est que ça s'est déclaré évidemment contre le royaume des Nords, et j'étais au plein milieu du royaume des Nords, étant donné que je comptais Fleurette à la dame qu'on drague là. Et ça s'est bien passé, je me suis retrouvé un petit peu face à. J'ai réussi à tenir, avec 70 Pékins, j'ai réussi à tenir contre 250. Je pense que je suis plutôt pas mal. J'ai aussi équipé tout le monde, tous les compagnons sont équipés, sauf un que j'ai recruté il n'y a pas longtemps, mais normalement maintenant ils sont tous équipés. On est plutôt bien, la guerre a été déclarée, il va falloir qu'on leur roule dessus maintenant. Allez, c'est parti! Donc voilà, j'étais à Dirim tranquillement. Je regarde un petit peu. Ah oui, j'ai quand même des petits trucs à happer. Donc quand je vous ai dit que j'ai fait un massacre, là, regardez, j'en ai capturé deux. D'ailleurs, il y en a un, il faudrait que j'essaie de me battre contre lui en duel. Sauf que. Parce que c'est le mec qui veut essayer de se taper ma meuf. Il veut essayer de choper ma meuf, sauf que. Eh ben. Ce mec-là, je peux plus rien lui faire en fait. Regardez. Je vais vous montrer la quête. Je dois défier le Jarl Chevalier 5-9 à une épreuve par les armes. D'ici 60 jours. Le problème, c'est que le Jarl Chevalier 5-9, c'est lui. Mais je l'ai déjà battu. C'est con. C'est un peu con. Alors, juste vérifier s'il n'y a pas un rançonneur dans le coin. La cavalerie mercenaire, on va peut-être la prendre. Parce que j'ai quand même masse thune, donc c'est plutôt cool. On va aller chercher. Ah oui, à bouffer. Oula, à bouffer, c'est important. La miam. C'est plutôt pas mal. J'ai aussi acheté des bouquins. Ça peut paraître con, mais les bouquins, c'est hyper utile. Ça coûte la peau des fesses, clairement. Par contre, c'est super utile, étant donné que si on en lit un, en fait, on peut lire certains bouquins qui donnent un bonus permanent à une statistique. Enfin, à une capacité, à une compétence, pardon. Et soit on garde un bouquin dans l'inventaire, auquel cas, bah, ça donne une compétence permanente, genre plus un compétence mentor, plus un chirurgie. Ce qui est plutôt cool. Ce qui me fait dire, en fait, j'ai fait un petit peu un truc con. Il faudrait que je mette chirurgie à Marnid. Et mentor, c'est qui? C'est moi, mentor, de toute façon. Je vais donner chirurgie à Marnid. On peut pas les filer à l'inventaire? On peut pas les filer. Bon, voilà. Sinon, ils sont tous équipés avec des armures de taré, voilà. Donc, j'ai récupéré un petit nouveau, mais lui, bon, je m'en fous un peu. Je vais le monter. Essayer de le monter en haut. Voilà. Nous, on s'en fout un peu. Je l'ai récupéré comme ça. C'est un petit fils de noble. Donc, on se bat avec le. Putain, ils ont pris Uskal. Bon, ok. Le Royaume des Nords est en train de me foutre la grosse branlée. Va falloir faire quelque chose. On va aller directement. On va récupérer les petits châteaux qui sont chez nous. Hein. Je pense qu'on va arrêter de faire les cons. Je vais voir si je peux en récupérer un là. 61? Oh, easy. Easy peasy. Surtout avec tout le monde qui est hyper équipé maintenant, ça va être tranquille. Vous allez voir, on va leur rouler dessus. Alors par contre, il faudrait peut-être qu'ils fassent plus vite les échelles. Allez. Allez, c'est parti. Ok. Oh là, oh. Je sais pas ce que j'ai pris, mais j'ai pris un truc qui a pété rapidement. Je vais essayer de strafer un peu. Oula. Non. Putain, ça fait tellement mal. Ça, par contre, ça a toujours pas été réglé ce problème de. Quand je prends une flèche, je prends 25 milliards de points de dégâts d'un coup. Alors, je vais aller chercher les mecs qui me tirent des flèches. Genre le type là-bas. Le problème, c'est les sergents Rodok, là, ils font tellement mal.
Voilà. J'en ai géré. On devrait arrêter de nous casser les couilles. Ah oh, putain, il y a ceux de là-bas aussi. De nouveaux ennemis sont arrivés. Ah, je vais prendre très cher. Je vais aller me choper ceux là-bas. Voilà. Wow. D'accord, c'est ma gueule qu'ils veulent, hein. Ça se sent. Ouh! C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Ah, viens là. Aïe. Le bon sergent Rodoc là. Voilà. Alors maintenant, il y a les trucs d'en face là. Je vais YOLO un peu. 4 points de dégâts, bon ça va. Je vais aller chercher. Et je vais finir par récupérer ce satané fort qui m'avait fait tellement défaut dans l'épisode 2. J'avais galéré. Et j'y étais même pas arrivé. Ils m'auront assommé quand même pas mal de gens. Mais c'est les configurations de ces châteaux sont quand même hyper à l'avantage des défenseurs. Hein. Ouh, il est dans le mur lui. Ah, il reste combien de personnes? 9. Il reste pas des gens par ici. Ça m'a l'air d'aller. Bon, ça a l'air d'aller, ils y arrivent. Et on aura finalement récupéré un château, ce qui est plutôt pas mal. Oh là là. Ah, ils m'ont fait chier ceux-là. Allez, c'est bon, finissez-les, il en reste 3. Oh, ils sont lourds. Allez, plus qu'une. Ils sont pas du tout dessus. Elle est où? T'as les là-haut? Oh la vache! Comment tu veux toucher une personne qui est là-bas? J'arrive même pas à voir si j'y arrive ou pas. Mais c'est trop easy de défendre ici! À qui que ce soit là-bas. Parce qu'il faut aller la chercher ensuite, hein. Plus de munitions, je te parie. Bon alors, ils vont y arriver, mais on les voit d'ailleurs, c'est trop drôle. Oh là, le cancer. Quoi? T'es assommé. Oh la vache, la galère ce château. J'espère que le prochain il est pas comme ça. Hein. 2 tués, 23 blessés. Bon là on a quand même récupéré. On va récupérer 2-3 gens. Ouais, c'est pas mal. On va capturer des sergents Rodoc. C'est toujours cool. N'empêche, je suis quand même plus à l'aise sur le champ de bataille que sur les sièges, parce que c'est vraiment la merde, les sièges. Hein. Ok. Toc, Hartenheimer. Ah, il est hyper équipé, hein. Mode gros bourrin. Toc, je vais monter maître d'armes. Du coup, t'es tranquille. Petit sergent Rodoc. J'aimerais tellement les recruter. Les sergents Rodoc. Ok, donc récupération d'un château, c'est terminé. Je vais aller voir un masqué. Recruter
recruter des volontaires. Pêche-mie, on va voir à pêche-mie aussi du coup. L'idée, il faudrait pas qu'on perde trop d'endroits, hein, parce que sinon ça va être la grosse merde à tout récupérer. Je sens que ça va être vraiment difficile. Royaume des Nords et Royaume des Vaillés ont fait la paix. Zut, donc ils ont un champ de bataille de moins. 127? Ça me paraît compliqué. Ça me paraît quelque peu compliqué. Voir si on peut pas récupérer des trucs. Tellement d'upgrades dans tous les sens. On pourrait essayer. Je pense que ça coûte rien, on pourrait essayer. Je vais peut-être essayer de changer bouclier aussi. Parce que c'est pas comme si mon bouclier il servait à rien, mais presque. Ils vendent pas de bouclier ici? Ah, mais c'est pas dans les armes, ouais, si. Qu'est-ce qui est le mieux? Ça me semble pas mal en fait. Je pense que j'avais juste un bouclier ultra merdique. On va essayer d'assiéger celui-là. Si on peut le. Ah, c'est une tour de siège. Tiens, donne le château à quelqu'un d'autre. Donc on va construire la tour de siège. Oui, c'est cool. Dans l'idée, après, il va falloir récupérer. J'aimerais bien récupérer Veluca. Ou alors on prie pour qu'ils arrivent à tenir correctement cette front lane, et nous on récupère Almera, Barry derrière et les châteaux. Si on récupère tout ça, il y a peut-être moyen qu'il n'y ait plus personne ici. On soit tranquille. Et ensuite, on s'attaque au nord. Parce que c'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Le gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à se coordonner avec les autres. Allez, on est parti. On va pouvoir faire un assaut. Wow. C'était flippant. Je pense que dans une bataille, t'aimes pas trop avoir ce genre de truc. Allez, on va se mettre là-dedans et puis c'est parti, on va pousser. Oula, ça me semble être hyper lent. Ça me semble être quand même particulièrement lent. Ouh, je sens que ça va prendre une vingtaine d'années. On n'est pas à côté, hein. Ils se font tirailler la gueule, mes unités. Bon. Et bah, c'est parti. Bon, bah, finalement, je me suis replié parce qu'en fait, j'étais même pas arrivé au bout, qu'il y avait déjà des renforts qui apparaissaient chez moi. Voilà, 17 tués, 17 blessés. Autant vous dire que c'était un. Non. C'était vraiment la merde. C'est. Imprenable ce château. Beaucoup trop loin, beaucoup trop chiant, c'est. Non, c'est pas cool. Pas cool du tout, j'ai perdu un max d'unités bêtement. Ah, fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. Plus j'ai perdu du moral, bon, tant pis. Celui-là, c'est pas cool, on va récupérer des unités. Il faut qu'on aille récupérer des unités rapidement. Récupérer et former quelques unités. Ça va aller vite. Elle est à Sargotte. Tandis que j'aille à Sargotte, mais c'est pas à moi Sargotte, du coup tant pis. La nana, ça va attendre un peu. Oh là là. Non, Tipstein, il veut même pas. C'était dur, hein. C'était particulièrement difficile. J'ai pris particulièrement cher. Voilà. trois cent cinquante-trois, ouais, non, c'est beaucoup là. C'est beaucoup. Ok. Et là, ça m'emmerde. Je sais pas où attaquer. Peut-être qu'il faudrait que j'aille dans le sud.
Putain, ils ont repris le château du Nizak. Oh, c'est chiant. Oh, que c'est relou. Oh, que c'est casse-pied. Voilà, il a été repris, merci. Emirin a été pillé, bon, pas grave. Juste peur qu'ils essaient de choper Emirin parce qu'il y a juste 46 Pékins à l'intérieur, pas grand monde. C'est pas cool. On va aller voir ce château là-bas, peut-être qu'il y a quelque chose. Les recrues Saranides. C'est assez étrange, mais je vais finir par trouver des châteaux plus difficiles à choper que les. 134, ouais, 134, c'est beaucoup. Finir par trouver les châteaux plus difficiles à choper que les grandes villes. Parce que c'est quand même ballot. S'il n'y a personne ici. 361. 93. Alors. On va tenter ça. Il y a peut-être moyen qu'on y arrive. Ça va l'immense plaine qui sert à rien là? Allez, on y va. La méga plaine qui sert absolument à rien. Allez, on y arrive. On va pouvoir faire quelque chose ici. Le tout, c'est de pas se prendre de grosses flèches à 25 PV dans la figure. Ça serait cool. Parce que j'en ai marre de me prendre des méga coups comme ça, bêtement. Pour l'instant, on n'a rien perdu. On a eu un tué en face et zéro chez nous. Ah oui, la bonne flèche qui a été esquivée. La hyène sert à rien, de toute façon je t'ai pas équipé. Alors attendez. Là je suis un peu le con. J'arrive pas. Voilà. On commence à y arriver. Oh mais c'est bon. Impossible de faire quoi que ce soit. J'y arrivais pas du tout. Allez, soit en dessous. On va aller chercher. Je vais esquiver. Oula, oula. C'est passé quoi? Wow. Oula. Oh la vache. Oh le peloton d'exécution. M'énerve d'être chez eux et de se prendre des pocs parce on se fait pop dessus. Ah, bon, il reste plus grand chose. On va préparer les échelles. On va le choper tout de suite, hein. Je pense que ça va pas être très compliqué. Rendez-vous! Eh ben c'est parti. Voilà, 42 contre 21, je pense que c'est un peu plié tout ça. C'est parti. Allez, c'est parti, je suis le premier à arriver, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave.
On devrait pouvoir y arriver. Juste grimper cette magnifique pente. D'ailleurs, ça me casse vraiment les pieds de devoir faire tout le tour alors que l'échelle est là. Vous pouvez pas nous poser juste devant l'échelle? Ça aurait eu un minimum de cohérence parce que je suppose qu'ils ont préparé les échelles en faisant venir des gens ici quand même. Oula! Oh la vache, je me suis fait des pops. J'aurais pas dû être le premier. Oh putain, ça servait à rien. Bon, bah tant pis. De toute façon, on est beaucoup plus qu'eux. Je vais lancer le... Dituis. Oh putain, mais vous servez à rien! Dès que je suis plus là, c'est impossible. Ah, bon, on va attendre un petit peu, on va refaire une petite pause et puis on va re-attaquer. Mais je sais pas pourquoi, les châteaux, j'y arrive pas. Voilà. Bon, j'ai fini par récupérer le château, mais c'était la merde. C'était de la grosse, 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 grosse merde. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est moi qui sais pas du tout attaquer un château? Sans doute. Mais quand même. Je me suis fait encore une fois balader. Ok. Rolf. Compétence. Monter la force. Ok, donc on a récupéré un château. Le tout, c'est de récupérer, je pense, le dernier château. On peut essayer. On peut toujours essayer, peut-être que ça passera plus facilement sur l'autre. Ils ont récupéré. Ah! Enfer! Enfer et damnation! Bon, on va aller du côté du château de Charroi là. Et combien de Pékin? 234! Quoi? Vache. Et comment je suis censé attaquer ça? Limite, tout ce que j'ai envie de faire, c'est d'arrêter mon allégeance au royaume des Rodok et d'attaquer le, enfin d'aller au royaume des Nords. Parce que ça commence à devenir vraiment compliqué, vu la taille des trucs. Compliqué et stupide en même temps. Super. Bon, allez voir du château d'une Zuc, peut-être que. Bon, il est assiégé aussi, mais. Ah bah il a été récupéré. Là, il y a le roi Ragnar ici qui se trimballe. J'ai tellement envie de l'attaquer. Si je l'attaque, ça va être monstrueux. Et il va assiéger le château. Je vais juste aller chercher un peu de bouffe. Ouais, heureusement que je suis allé chercher un peu de bouffe, parce que j'en avais plus beaucoup. Alors, Orania. Tu veux pas venir m'aider, toi? On va se les faire. Oui, cool. Hein? Le twin n'a plus de science? Quoi? Je sais pas de quoi il parlait. Allez, 293 contre 312, c'est la bataille contre le roi, c'est la bataille du Rouen, c'est tout ce que vous voulez, ça va être drôle. Ouh, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de cavalerie, mais ça sera pour plus tard peut-être. Alors, pour l'instant, ça se passe bien. Mais ça peut vite se retourner contre nous, hein. C'est
pas le cheval que je vais attaquer. Ouais, c'est mes poteaux qui attaquent, donc ça va bien. Bon, pour l'instant, ça va. La suite. Putain, il m'a empêché de passer, il m'a empêché de faire un sacré coup. Oula, qu'est-ce qu'il fout tout seul? Oula, oula, oula. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fous tout seul? Ah! Ah! Si on arrive à choper le roi, ça peut être pas mal. Ah, j'ai des petits lags. Oh là là. Yay, on en a enlevé 64. Et nous, on a eu une perte. Allez, on continue. Oh mais putain. Et voilà, ça y est, je vais me retrouver au milieu de la mêlée. Parce qu'il y a un abruti qui est passé devant moi. J'ai l'impression que là, il n'y a que les trash. Il n'y a pas l'air d'avoir de... d'unité surpuissante. Ce qui m'étonne un peu, parce que c'est quand même l'armée du roi. J'ai envie de dire, l'armée du roi, c'est pas censé être l'armée de merde. En plus, il bouge pas grand chose. Allez! On les écrase. On les écrase même très fortement. Ah, il y en a plus que 9. Yay! Eh ben, ça va être encore long s'il faut les faire 60 par 60. On a encore pour 3 essais. Allez! Ah, ils ont l'air d'être un peu plus costauds là. Ouais, bon, un peu. Je suis encore un carnage. Alors, les nouveaux ennemis sont arrivés. Ils sont où? Là. Ouh. Alors encore de nouveaux ennemis, oula. Beaucoup d'archers. Mais pourquoi ceux-là ils font pas de dégâts quand ils me tirent dessus? C'est bizarre. Hein. C'est des archers aussi? Ah oui, mais c'est pas des.
Je sais qu'une arbalète, ça fait quand même pas mal de dégâts, mais normalement, un archer, à cette époque-là, c'était quand même plus fort qu'une arbalète. Allez! M'avait empêché de tuer, arrête. Nissez-le. Bon, encore. Il s'est fait rouler dessus. 280 contre 137. Ça devient un peu stupide, mais je pense que sur la fin, il devait y avoir de la cavalerie en masse. Ça va être un petit peu plus compliqué. M'étonnerait qu'il se balade sans cavalerie. Je serais bien content que l'armée du roi disparaisse parce qu'il serait obligé de la refaire. Et là, il va galérer un petit peu. On va peut-être être un peu plus libre pour attaquer sur les zones adverses. Alors, je sais, c'est un peu long, mais bon. C'est pas inintéressant comme combat, sinon c'est on remarque qu'ils ont pas des super unités en face. Ah, il doit pas rester grand chose. Il en reste une. Voilà. On a encore éliminé 50. Allez, avant-dernier. Je pense que là, il n'y a plus grand chose à faire. Oh là là. Oh, par contre, j'y arrive pas, hein. J'y arrive pas du tout. Ils font le touffetas sans moi. Rouler dessus. Allez, c'est bon. Il reste deux là. Il est dedans. Bon, allez, dernier. Allez, dernier. Bon. Avantage de combat 13. Ça commence à devenir beaucoup, oui. Mais au moins, il y aura plus le roi en balade. Et on remarque qu'ils avaient pas grand chose en fait comme unité. Hein. Je pense que j'aurais même pu le gérer assez facilement avec une petite armée. Oula! Non! Le jeu qui plante! Que se passe-t-il? Ah! Oula! Gros plantage! Il vient de se débloquer, je sais pas ce qui s'est passé, mais là il a. Il a Uberblock. J'ai pas compris. Il s'est passé un truc, l'écran a freeze, là il a des freezes. Première fois que ça m'arrive sur le jeu. Alors que ça fait plus de 70 heures de jeu. Hein.
qui est quand même plutôt perturbant. Là, on se tape les recrues, donc vraiment, c'est qu'ils sont au bord du... Mais c'est elles qui font le plus de dégâts. What the fuck? Allez, il reste plus grand-chose. Allez, il reste 3. Reste 1. Et c'est gagné. C'est le GG. Bon, il s'est barré, mais c'est pas grave. On a quand même bien GG là-dessus. Il savait pas grand-chose en face, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. On a quand même réussi à bien gérer tout ça. Ça fait de l'XP. Voilà. On est plutôt bien. Juste, ça va être connu tout ça. Donc, je pense qu'on va arrêter là cet épisode. Je vais essayer de voir si ça a pas tout cassé le bug. Et puis, enfin, j'espère, normalement, ça a pas tout cassé. Et puis voilà, je vais retourner à Almar. On va essayer de faire d'abord un petit plan d'attaque pour le prochain. Ils ont pris Euskal. Non, qu'est-ce que toi? Ils ont pris Euskal, ce qui m'embête beaucoup. Je réfléchis à ce qu'on pourrait faire. Ce qu'on pourrait faire, c'est vraiment peut-être récupérer des masses, la grosse masse d'unités à Almar. Genre des bonnes grosses unités type Sergent Rodok. Et on essaie de se prendre une des capitales, une des grandes villes qu'il y a en dessous, donc Barry ou Amerad. Et ça sera, je pense, plutôt pas mal. On verra, je pense qu'on verra dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, quant à moi, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.